Cette semaine, ce sont les garçons qui prennent le pouvoir sur le plateau de Croque-Lecture. Nous recevons Sylvie Gracia et Idriss Aurore qui viennent nous parler de son métier. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos Croque-Lecteurs ? Alors bonjour, je m'appelle Sylvie Gracia, donc je suis éditrice aux éditions du Rouergue et je m'occupe notamment des collections pour la jeunesse. Comment êtes-vous devenue éditrice ? Quel a été votre parcours professionnel ? Alors, en fait, je suis devenue éditrice un peu par hasard. Ce n'était pas le métier que j'avais choisi quand j'ai commencé mes études. En fait, j'ai fait des études pour devenir journaliste. J'ai été journaliste un assez longtemps, enfin une dizaine d'années, même un peu plus. Et en fait, j'ai commencé aussi à écrire, puisque je suis aussi écrivain pour adultes, à côté de mon métier. Et j'ai commencé à publier un livre, un premier roman notamment. Et à ce moment-là, j'ai rencontré la personne qui dirigeait les éditions du Rouergue et qui m'a proposé de venir travailler avec elle comme éditrice. Voilà, donc j'ai appris le métier comme ça, un petit peu par hasard, sans me former, avec cette dame qui a décidé de tout m'apprendre. Et c'est comme ça que je suis devenue éditrice. Quand et pourquoi les éditions du Rouergue ont-ils décidé de créer un secteur jeunesse ? Alors, le secteur jeunesse aux éditions du Rouergue a été créé il y a bientôt 20 ans. L'an prochain, on va fêter les 20 ans du secteur jeunesse, donc on va faire plein de choses. Et en fait, ça s'est fait là aussi un petit peu par hasard. En fait, au Rouergue, mais je pense que c'est la même chose pour toutes les choses importantes dans la vie. C'est des rencontres, c'est des hasards, c'est des gens qui font connaissance et qui ont envie de faire les choses ensemble. Et en fait, le département jeunesse a été créé parce que quelqu'un, un auteur-illustrateur d'albums qui s'appelle Olivier Douzou, est arrivé un jour au Rouergue, aux éditions du Rouergue, en disant « Voilà, j'ai écrit ce livre, c'est mon premier livre ». C'est un livre qui s'appelait Jojo Lamache, et je voudrais qu'il soit. Je cherche un éditeur. Et à l'époque, il n'y avait pas de publication pour la jeunesse au Rouergue, on faisait uniquement des livres pour adultes. Et la directrice du Rouergue, voyant cet album qui était vraiment très très beau, a décidé de le publier. Et c'est comme ça qu'est né le département jeunesse. Et ensuite, cette personne, Olivier Douzou, cet auteur, est devenu lui aussi éditeur en jeunesse, au Rouergue, et c'est lui qui a développé, dans un premier temps, toutes les collections jeunesse avant que j'arrive. Quelle est la ligne éditoriale des différentes collections ? Alors, est-ce qu'on doit balayer chacune des collections ? Ça va être compliqué parce qu'il y a d'abord beaucoup d'albums. Là, à l'origine, quand Olivier Douzou a commencé à publier des albums, l'idée, c'était vraiment de donner la priorité à l'image. C'est-à-dire, c'était des albums, et ce sont toujours des albums extrêmement graphiques. Et c'était des livres qui c'était assez révolutionnaire à l'époque, qui travaillaient beaucoup sur le monde quotidien des enfants. C'est-à-dire qu'on ne racontait pas des histoires de contes, de fées, de sorcières, etc. aux enfants. L'idée, c'était de parler du monde d'aujourd'hui aux enfants, même petits, et de leur raconter des histoires autour de ça en donnant toute sa place au dessin. Et ensuite, quand on a développé plus tard, 5 ans plus tard, les romans, l'idée, ça a été de continuer dans cette lignée. C'est-à-dire de proposer d'abord aux adolescents, parce que la première collection qui est née, c'était celle pour les adolescents, de leur proposer des histoires d'aujourd'hui avec des personnages adolescents qui ressemblent aux lecteurs d'aujourd'hui et qui parlent du monde d'aujourd'hui. Et donc ça, c'était aussi assez innovant. Il y avait déjà des éditeurs qui faisaient ça. Mais nous, on est vraiment allé de ce côté-là et on y est à peu près toujours, quoi. Comment se déroule la publication d'un roman et quels sont les critères de sélection pour qu'un manuscrit soit édité ? Quel est votre travail une fois que vous avez décidé qu'il serait publié ? Ah, alors voilà, alors toute une partie de mon travail, c'est justement de trouver des textes intéressants à publier. Alors des manuscrits, j'en reçois beaucoup, mais beaucoup de manuscrits, ça veut dire pas forcément beaucoup de livres édités. En fait, mon premier travail, c'est d'être lectrice, c'est-à-dire d'ouvrir les enveloppes qui m'arrivent tous les jours. Si vous restez ensuite, je vous montrerai. D'ouvrir les manuscrits et de commencer à les lire et de voir si là-dedans, il y a un écrivain qui s'est exprimé, un écrivain qui n'a jamais encore été publié, mais qui peut le devenir parce qu'il a du talent. Alors le talent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord, les gens ont une vraie écriture. Ils savent vraiment écrire et ils savent écrire avec leurs propres mots. Et ensuite, ils savent aussi nous raconter des histoires et rendre tout ça vivant. Alors ça paraît simple comme ça de le dire, mais entre un bon livre et un mauvais livre, moi je fais très très vite la différence, c'est-à-dire je fais la différence au bout de quelques lignes souvent. Voilà, et donc quand on a choisi un manuscrit, on a décidé de le publier, souvent il y a quand même beaucoup de travail à faire, beaucoup ou un peu à faire avec l'auteur, c'est-à-dire qu'on va relire très très attentivement ce texte. Je le relis, d'autres personnes de l'équipe aussi peuvent le relire. Et on va essayer de voir si l'écrivain ne peut pas aller encore plus loin dans ce qu'il a écrit, c'est-à-dire retravailler le style, retravailler l'histoire. Parfois on lui dit, tu vois ce personnage-là,
moi je le sens pas très bien, tu l'as pas très bien traité, tu l'as pas très bien développé, ou cette scène, est-ce que tu es sûr que les dialogues là, ils sonnent justes, etc. Voilà, on fait vraiment un travail, on réfléchit avec l'auteur et ensuite il se remet au travail. Voilà, pour arriver à un manuscrit le meilleur possible. Et parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre plusieurs mois de travail, d'échange avec l'écrivain. Vous avez écrit plusieurs romans pour adultes. Quels sont d'après vous les avantages et les inconvénients d'être à la fois auteur et éditeur ? Alors oui, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Alors, on va commencer par le négatif. Je suis comme tous les écrivains qui travaillent à côté pour gagner leur vie, parce que souvent écrire des livres, ça ne rapporte pas d'argent. Donc on est obligé d'avoir un autre métier à côté. Donc ça veut dire que j'ai peu de temps pour écrire, donc ça veut dire que j'écris le week-end, la nuit et tout ça. Ça a aussi des désavantages parce que parfois, moi quand je, par exemple, j'ai publié un livre là en mars, parfois j'ai mes propres auteurs dont les livres marchent mieux que les miens. Donc voilà, alors il faut faire la part entre son travail d'éditeur, son travail d'auteur. Il peut y avoir, vous savez, entre les écrivains, il peut y avoir des rivalités parfois. Ou un écrivain que je publie va me dire, oh, t'es sûr que ton livre, il est bien? Des choses comme ça. Et puis les avantages, c'est que je connais vraiment le métier d'écrivain de l'intérieur. C'est-à-dire que quand je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. C'est-à-dire que quand je parle avec un écrivain, je parle aussi de mon propre métier à moi. Enfin, je sais exactement ce qu'on traverse quand on écrit un livre. C'est pas forcément facile. Quand on est au retravail, etc. Je sais parler avec eux vraiment de façon très profonde. Et en général, c'est ce qu'ils me disent. C'est-à-dire que j'ai vraiment un contact très fort. Un éditeur, c'est d'abord quelqu'un qui travaille avec des écrivains et qui sait leur parler, qui sait reconnaître chez eux leurs talents, qui sait leur faire donner le meilleur. C'est comme un entraîneur. Vous voyez, si vous prenez un sportif, c'est quoi un entraîneur ? Un entraîneur, c'est quelqu'un qui voit quelqu'un, qui décèle du talent chez quelqu'un, qui dit « Tiens, toi, tu peux être un bon footballeur, un bon truc », et qui va l'amener à être encore meilleur. Et un éditeur, c'est quelqu'un comme ça. C'est un entraîneur d'écrivains, quoi. Donc il faut avoir ce talent, il faut aussi connaître l'écriture, quoi. Et savoir lui dire, là tu vois, tu as de la vitesse, mais parfois peut-être que tu n'as pas de justesse dans ton tir ou des choses comme ça. Voilà. Et c'est ça mon métier d'éditeur. On retrouve régulièrement les mêmes auteurs dans vos différentes collections, comme Guillaume Guiraud, Élise Fontenay ou Irène Cohen-Jeanca. Comment avez-vous réussi à les fidéliser ? Ben, un auteur, oui, un auteur, il peut aller, surtout un auteur qui commence à être connu. Ces trois-là, ce sont des auteurs connus, qui marchent bien et tout ça. Ils pourraient aller dans d'autres maisons d'édition, etc. Et en fait, s'ils restent avec nous, c'est qu'ils sont heureux de rester avec nous. C'est-à-dire qu'ils aiment travailler avec nous, et de tous les points de vue. C'est-à-dire quand moi je travaille avec eux, quand aussi d'autres personnes travaillent avec eux, pour le choix des... Par exemple, s'ils font des livres illustrés, on leur propose des illustrateurs qui leur plaisent. Et puis ensuite, on les... Même pour tout ce qui est le travail commercial autour d'eux, on fait en sorte que leurs livres se vendent bien, on fait en sorte d'avoir des articles dans la presse sur eux, etc. quoi. La fidélité, c'est juste ça, c'est de permettre à un écrivain de donner le meilleur de lui-même. Même chose qu'une équipe. Un footballeur, il va rester dans un club et il ne va pas aller dans un autre. S'il ne va pas dans un autre, c'est que dans le club où il est, on lui offre le meilleur. Il pense qu'il a le meilleur, voilà. Et donc, nous, on a des auteurs qui sont avec nous depuis 15 ans, même certains depuis 20 ans. C'est pour ça que l'an prochain, quand on va fêter nos 20 ans de département jeunesse, on va le fêter avec nos auteurs. Parce qu'on dit, ce sont nos auteurs qui sont importants, qui font notre maison. Et c'est quand même assez rare. Parmi les nouveautés de ces derniers mois, il y a dans la collection d'Akodak des albums dans un plus petit format, comme Cheval Bleu ou Noir Grand. Pouvez-vous nous parler de ces titres originaux ? Oui, alors ce sont effectivement des titres très originaux. Ce sont des albums effectivement parce qu'il y a des images, mais ce ne sont pas des albums parce que les albums s'adressent souvent avec des plus petits. Et c'est vrai que, par exemple, à votre âge, on n'a pas forcément envie de lire quelque chose qui ressemble à un album. Vous allez plutôt lire de la BD ou du manga, etc. Mais pourtant, nous, on avait deux très beaux textes. On avait le texte d'Irène Cohen-Jeanca, le Grand Cheval Bleu. Et ensuite, on a eu le texte de Sébastien Joignez, Noir Grand. Et on s'est dit que ces textes-là, qui étaient des très beaux textes, mais textes courts et des textes qui s'adressaient quand même à des lecteurs qui ont, je ne sais pas, entre 9 et 12 ans, je ne sais pas. On avait aussi envie de leur donner de demander à des illustrateurs de faire un très beau travail dessus. Et donc, c'est comme ça qu'elle s'est créée cette collection.
Parce qu'on avait envie aussi, sur ces textes-là, de faire un très beau travail, de mettre de l'image. Et donc, on demande en plus aux illustrateurs de travailler d'une façon particulière, parce qu'ils travaillent en deux couleurs, en deux tons, comme, je ne sais pas si vous avez vu, bleu, noir, etc. Et ça fait des très belles images. Vous n'hésitez pas à publier un roman violent, voire très violent. Je pense notamment au roman de Guillaume Guéraud, comme « Des routes sauvages », par exemple. Comment décide-t-on de publier ce type de roman qui pourrait choquer des adolescents, voire même des adultes? Guillaume, voilà, c'est un des écrivains qu'on publie depuis 15 ans maintenant. C'est-à-dire qu'on a publié son premier roman. Son premier roman s'appelait « Cité nique le ciel ». C'est un roman qui a fait un peu scandale à l'époque. D'abord parce qu'on mettait le mot « nique » dans le titre, c'était un peu choquant. Et puis parce que c'était l'histoire aussi d'un gamin dans une cité, Rachid, qui était un peu violent, etc. Et Guillaume Guéraud, c'est sa marque de fabrique, on dirait. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de travailler sur un peu notre société, les choses un peu violentes, des adolescents qui sont en crise, etc. Et c'est ça ce qui l'intéresse. Et nous, on trouve que son travail est très bon, et donc on le soutient. On le soutient dans ces textes très difficiles. Et puis on pense que de toute façon, vous, à votre âge, vous avez l'habitude d'aller de voir des films, de jouer sur des jeux vidéo où il y a aussi de la violence. Mais c'est pas de la vraie violence, c'est pas une vraie bagarre, c'est du livre ou c'est du cinéma, et donc c'est, comme on dit, c'est à distance. Vous regardez le spectacle, vous n'êtes pas dedans. Et que c'est le cinéma, la littérature, ça sert à ça aussi. À participer à quelque chose, mais pour de faux, c'est pour de faux là, la violence. Mais il faut aussi se confronter à ça. Certains président la mort du livre au papier, avec l'apparition des tablettes et autres liseuses. Qu'en pensez-vous? Alors nous, on commence à proposer des ventes de livres numériques. C'est-à-dire que pour nos livres les plus importants, on sort le livre en papier, le livre papier comme on dit, et puis à côté, on commence à faire des ventes de livres numériques. Parce qu'on pense que c'est important. Moi par exemple, j'ai une fille là qui a 24 ans et elle commence à lire de plus en plus sur liseuse. Je la vois parce qu'elle met sa liseuse dans son sac. Elle a des livres dedans et elle s'habitue à ça, et je vois que là elle commence, comme on dit, à basculer dans ça, sur la liseuse numérique. Et vous, je pense que dans 5 ans ça sera pareil. Donc pour nous c'est important, éditeurs, de nous préparer à ça. Simplement là on est en train de réfléchir parce que ça coûte quand même de l'argent de faire ça pour nous à chaque livre, et que pour l'instant on vend rien quoi. Nous avons vu sur les plannings de la rentrée des nouveaux livres de Alex Cousseau et Guillaume Guéraud. Pouvez-vous nous en parler? Ouais. Alors, Alex Cousseau, c'est un livre qui va s'appeler « Les trois vies ». Ah ben tiens, voilà, c'est celui-là, je voulais apporter. Vous avez de la chance. « Les trois vies d'Antoine Anacarsis ». Alors ça, c'est le manuscrit que m'avait envoyé Alex Cousseau il y a quelques mois pour me faire lire son texte. Donc là, on est en train de le corriger, puis on a fait la couverture, la vraie couverture. Alors Alex Cousseau, c'est quelqu'un aussi qu'on publie depuis longtemps. On avait publié un texte de lui qui s'appelait « Je suis le chapeau » il y a quelques années, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui se déroulait au Groenland. Et là, Alex Cousseau, en fait, il ne travaille plus sur le monde d'aujourd'hui, le monde contemporain, comme on dit. Il a décidé de nous faire, d'inventer un personnage qui est né sur une petite île, une petite île près de Madagascar au début du 19e siècle. Donc il mélange un petit peu tout ce qui est le récit d'aventure traditionnelle, et puis il nous raconte ce que c'était que l'esclavage au 19e siècle, ce qu'étaient les États-Unis à ce moment-là, au milieu du siècle, au moment où on découvre le téléphone, les chemins de fer, toutes ces grandes inventions qui vont bouleverser le monde entier. Et c'est un récit passionnant d'aventure, et puis à la fois sur le 19e siècle, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. En conclusion, nous avons appris beaucoup sur le métier d'éditeur du Rouergue, des auteurs, et on peut dire que cela n'est pas de tout repos. Vous retrouverez la semaine prochaine Caroline, qui reprendra les rênes de votre JT favori. Bye.